Après l'été et l'automne, voici l'hiver. La chute des températures nous affecte, trouble également le comportement des oiseaux et animaux de nos forêts. Que peut-on faire pour les aider à passer cette période froide? Les plus faciles à observer sont les mésanges, mais également le pinson, le verdier gros consommateur de graines, le rouge-gorge. N'oublions pas les petits écureuils, et bien d'autres encore. L'alimentation est la principale difficulté des animaux hivernants. Les sols gelés, la disparition du bocage et des cultures compliquent leur quotidien. Les graines sont rares. C'est là que nous pouvons intervenir en installant des mangeoires pour participer à leur survie. Aujourd'hui, nous allons parler de nourrissage des oiseaux. Pour cela, nous avons fait appel à un spécialiste, Jojo, qui, bénévolement, s'occupe de les nourrir depuis de nombreuses années. Bonjour Jojo! Nous nous sommes rencontrés il y a un an pour les installations faites pour protéger les oiseaux et petits animaux dans les forêts d'Ensisheim et de Pulversheim, en Alsace, où les hivers sont réputés rigoureux. Jojo, peux-tu nous parler de l'alimentation des petits oiseaux de la forêt et quel type de support pour les nourrir? Il y a des différentes formes de mangeoires à fixer et à suspendre en fonction de la diversité des oiseaux. Mésange, vertier, rouge-gorge, pinceau, sittel et également des mangeoires à écureuil. En plus grand format avec un plateau pour un accès facile. Comment confectionnes-tu leur alimentation? Je leur donne des graines de tournesol et je les mélange avec de la margarine. J'incorpore des petites graines et je leur donne également des noix et noisettes que je mouline. Par temps de grand froid, il y a un repas complet et équilibré. Achètes-tu les graines, matières grasses et épis de maïs et quelle quantité environ? J'achète principalement des graines de tournesol, environ 80 kg par hiver, également des boules de graisse pour oiseaux, assortiment de petites graines et margarine, environ 50 kg, les noix je les ramasse. Et les épis de maïs? Je les reçois à la ferme. Je suppose que les nichoirs sont différents en fonction des familles d'oiseaux. Peux-tu nous en parler? Je confectionne et installe plusieurs nichoirs en fonction des différentes sortes d'oiseaux. Le diamètre des trous varie entre 28 et 33 mm, afin que chaque espèce y trouve son bonheur et sa sécurité. En période de grand froid, comment donner à boire aux petits animaux? En période de gel, il faut remettre régulièrement de l'eau tiède dans les récipients en plastique et pour éviter que l'eau gèle trop vite, mettre une balle de ping-pong afin que l'eau reste en mouvement et ne se fige pas rapidement. Faut-il les nourrir toute l'année ou seulement l'hiver? En hiver, les oiseaux ont le droit d'avoir un coup de pouce et je les nourris tôt de novembre à mars. Pour le choix de la nourriture, je préconise souvent à miser sur les graines de tournesol. Lors des nourrissages des oiseaux, j'ai constaté que certaines personnes, croyant bien faire, donnent des boules de graisse avec le filet, comme nous pouvons le voir sur ces images. Cela est fortement déconseillé, car les oiseaux se prennent les pattes dans le filet et meurent. Merci Jojo pour ce petit entretien et tout ce que tu fais pour la nature. Nous vous encourageons à observer les oiseaux dans la forêt d'Ensisheim où les nichoirs sont installés le long du chemin pédagogique. Contemplez la nature tout en se faisant plaisir, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer Jojo en pleine action. Merci à vous.